fraîche. 15 ans tu tires le filon, 18 ans tu bois les apparos. Perica n'est-ce pas, tu es déjà top. Tu me manques de respect parce que tu prends les gigas. Mon petit, j'ai dépassé les gigas, je suis déjà au terrain. On ne fait pas le concours pour tirer le filon, filon. On ne fait pas le concours pour marcher avec les lames. Si tu viens moi je te naque, mon Perica, toi et ton retour. Je vais vous cacam sur l'âme, tu vas respecter un tout. Vraiment, je comprends pas les Camerounais. Vous voulez le changement alors que vous pouvez même pas changer dans vos têtes. Ah, dis donc, gars. Faut pas justifier l'injustifiable, mon frère. Tu crois que c'est de la faute de la population si vous n'arrivez pas à gérer de bonnes conditions de vie? Je sais que là, les gens parlent de quoi? Tu réclames quoi la population? Tu réclames vraiment quoi la population? Qu'on manque le strict minimum pour survivre. Le strict minimum? Vous discutez quoi? Hein? Ce sont ces gens-là qui vont venir vous enseigner qu'on ne jette pas les ordures dans les caniveaux? Qui vont venir vous dire qu'on ne doit pas construire de manière anarchique ou alors qu'on ne doit même pas construire dans les zones humides? Hein? Vous ne respectez aucune règle dans ce pays, mais vous voulez toujours accuser les autres que ne souffrent le développement. Mais c'est dans ces deux heures là que vous, aimez bien, mais c'est dans ce même deux heures que vous véhiculez les réseaux de corruption. Vos faux réseaux de mafia. Les réseaux de détournement. Vraiment. Gars, écoutez, c'est quand tu sors du Cameroun, quand tu sors vraiment du Cameroun, que tu comprends vraiment que les gens comme vous là n'aiment pas ce pays. Parce que quand tu arrives à Addis Abeba, tu là-bas, non, Addis Abeba, tu as sorti du pays un jour. Même ici au Tchad, tu es déjà arrivé. Hein? Et je te rappelle qu'on est toujours mieux chez soi. Non, je suis d'accord avec la légende. Je suis d'accord, très d'accord avec la légende. Nous sommes mieux chez soi. Mais comment est-ce que dans notre propre pays, on risque encore de mourir de paludisme? Ils disent mieux manger chez les blancs là-bas, rester. Les gars, soignent bien la maladie là-bas. Ce que tu viens de dire là, c'est ce qui fait en sorte que tous nos intellectuels fuient plutôt pour aller développer le pays des autres. Attends, et c'est très dangereux pour nous. Attends, écoute. Hein. Tu crois que s'il y avait les possibilités de travail, les bonnes conditions de vie, les gars allaient se sacrifier dans les mers et dans les déserts pour aller vivre chez les autres? Toi aussi, réfléchis, mon frère. Okay. Et qui va venir créer les conditions, les bonnes conditions de vie là ici chez nous, à notre place? Bon, en même temps, vous avez raison. Je suis d'accord. La faute est dans les deux camps. À la fois les conditions. Photocopie, mon frère. Photocopie. Ah, c'est une nouvelle facture, hein? Ouais. Quelle nouvelle facture? Bienvenue à chômage, là. Hey, pas là-bas. Je suis l'élite de Balessin. La seule et unique bachelière de tout mon village. Et naturellement, tu te vois ministre, non? Tu parles comme si tu blaguais. Attendez, je vous explique. Dans 3 ans, j'obtiens ma licence. Je réussis le concours de l'ENAM. On me nomme sous-préfet de Balessin et quelques années après, ministre. Je dis à la mère, nous sommes dans le même pays ici. Ouais. Les nouveaux bacheliers et leurs rêves. Maman, tu veux faire quelle filière? Lettres modernes françaises. Ça, c'est une bonne filière, périsseur. Wow. Une bonne filière. Voilà, on va de nager dans la tête de l'enfant. Et quelqu'un vous demande de faire les filières professionnelles qui vont nous aider dans le pays. T'as pas fait l'être moderne ou c'est quoi. Ça nous servir à quoi? Ça devait d'abord te servir à quoi? C'est ma filière, non? C'est mon choix. Oh. Et surtout que tu comptes être ministre avec ça. À n'en point douter. Ah, le gros français de ça, vous comprenez? Attends, ma mère, est-ce que tu sais que au Cameroun, là, étudiant, ça ne vaut rien du tout? Quand tu es étudiant, là, tu ne vaux rien. Tu sais ça? C'est quand tu vas faire 5 ans au niveau de Angouakele, sans travail, et que tes parents te disent que toi, là, non, il n'y a plus rien pour toi, on s'occupe de toi, que tu vas comprendre comment fonctionne ce pays. Et ce qui m'énerve le plus dans ce pays, comme je te dis, c'est que nous sommes tous des grands en arrière. Avant, nos parents avaient des bourses pour étudier. Pendant, nous sommes ces mêmes parents qui nous font payer l'école tellement cher. Moi, je pense que ce sont nos parents qui sont les premiers traîtres à cette nation. Ils ont vendu le pays. Kaka, laisse ça. À chacun son histoire et son destin. Et moi, ma destinée est au-dessus de votre entendement. Tu suis entendement. Ah, le gros français de sang. Maman, descends sur terre. Hein? Est-ce que tu sais que ton doctorat, tes lettres modernes françaises que tu fais là, j'ai un doctorat dedans. Et devine un peu les débouchés. Pompiste dans les stations-service. Callboxeur, photocopieur, c'est ça ta destinée. Depuis 2011, que j'ai eu mon Master 2 à soi, en gros, merci. On nous a renvoyé à la maison pour attendre les sélections en thèse. Ça fait 8 ans aujourd'hui, nous sommes à la maison. On ne nous rappelle pas. Et c'est dans ce même pays que tu veux être ministre. Non, maman, pardon. Ta licence que tu veux faire là, non? Il faut savoir que c'est le diplôme des sauveteurs, taximan. Moto-taximan. Et comme tout ça, quand tu regardes bien, tout ça c'est les boys, les travaux des boys. Et toi tu es une fille, me demande ce que tu vas faire, mon frère. Quitte à même d'abord, quitte à causer, pourquoi tu fais les meufs?
parce que c'est la filière qui a le plus de débouchés ici au Cameroun. Qui t'a dit ça? C'est lui, non? Est-ce qu'il ment alors? Attends, c'est Arash Klou qui est ton conseil d'orientation. Non, maman te dit que photocopie, tu tiens là, tu bavardes. Laisse-le tranquille, lui aussi il a fait LMF. Voilà, et je m'en sortais. Et pour finir quoi? Il est impatient. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux, je viens de lui remettre 75 000 francs pour les pré-inscriptions. Attends, combien? 75 000. 75 000 pour les pré-inscriptions? Gaga, non, arrache-clou, mon frère, tu exagères, gars. Jusqu'à 75 000 francs pour les préinscriptions. Mon frère, pardon, quand tu veux frapper, diminue même le volume. Jusqu'à 75 000. Attendez, c'est combien le prix de la préinscription? Oh, petit sénateur, petit sénateur, 75 colos. Les préinscriptions, c'est 10 000, ma frère. Et quand tu vas même croire que tu as exagéré avec les. Tu as certifié les documents, tu as une petite marge encore, tu as jusqu'à 16 000. 16 000. Oh, donne-moi mon argent. Ouais. Attends d'abord. Ouais, ferme là. Si tu blagues encore, je vais te frapper très mal. Tu vois? Attends d'abord, on va arranger. Calme-toi, on va gérer. Ouais, c'est ce que tu as de vous dire tout à l'heure. C'est le Camerounais lui-même qui est le propre problème du Cameroun. Pour l'échanger sans changer les mentalités. Oh, je vais pas tes documents là.